Bonjour à tous les amis, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Oh, bienvenue pour ce live bonus, hein, bien évidemment. Je pense qu'on va streamer jusqu'à 23h ou minuit. Du coup, voilà, et donc on va continuer chez Deco parce que j'avais tellement envie de recontinuer le jeu. Mais là, on va plus se concentrer sur des quêtes secondaires, des quêtes annexes, des quêtes principales, tout ça, un peu mettre le jeu un peu en sûr de lui. Du coup, on va continuer un peu les quêtes secondaires et quêtes principales. Donc voilà, donc c'est cool. Les amis, oui. Je vais mettre 8 modes en route, mais avant Steam. Tac. Donc pas de nouvelle vidéo aujourd'hui sur YouTube, à part le grand casino de vendredi. Aujourd'hui, je suis en forme, hein, donc voilà. Donc on va bientôt, bien évidemment, profiter pour le live. J'ouvre une des causes. J'ouvre le Wiimote. La Wiimote. Wiimote. Je connais par cœur mon PC maintenant, mais je fais vite. Maintenant, je fais vite entre les. Entre les trucs. Y a plein de modes trainers sur chez les causes. Il y a plus de 33 modes. Voilà, tout simplement. Bon, les amis, c'est la fin du live. À bientôt. Je plaisante. Allez, les amis, c'est parti. Est-ce qu'on m'entend? 1, 2. Est-ce qu'on m'entend, les amis? Est-ce qu'on m'entend, les amis? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. On m'entend très peu, mais bon, c'est pas très grave. Les amis, c'est parti, on va jouer. Hop. Alors. Où je suis? Donc là, on va arrêter les armures célestes, hein, évidemment. Les armures célestes qui nous permettent d'aller n'importe où. Hop. Donc là, on avait déjà été ici. Souvenez-vous. Et donc, afficher la carte de ton emplacement actuel. Non. Pénétrer dans les grottes d'Organa en passant par les champs de Rovalan et aider Madeleine. D'accord. Ok, donc on va faire ça. On va faire ça. On va aider Madeleine. Et on va aider Madeleine. Tranquillement. On n'a pas trop le temps de les vaincre, eux. Donc 8 modes à toujours avec nous. Et j'ai totalement oublié. Ah, c'est bon. Ça s'est enregistré les thèmes. Là, il y a un coffre. Mais il y a un coffre, mais comment on le fait? On va aller par là. Donc là, il y a un coffre pas loin. J'ai vraiment pas fait esprit, hein, pour le petit passage là. Hop. Donc on va aller là. J'espère que c'est pas un nouvel endroit. Enfin, j'espère que c'est pas un endroit où on a déjà découvert. Bien évidemment. C'est parti. Je pense que non, c'est un nouvel endroit, je pense. Je pense que c'est un nouvel endroit. Ok.
Ça a l'air d'être un nouvel endroit. Vous voyez, j'ai bien fait de faire un nouveau live aujourd'hui. Parce que le stream d'avant, eh ben, j'étais un peu perdu. Je savais pas quoi faire. J'étais bloqué dans une quête et que j'arrivais pas trop à trouver lequel fallait faire. Du coup, on essaye d'avancer un maximum dans le jeu. Ok, donc avant d'aller là, on va sauvegarder. Coffre. Limite faire le jeu à 100%, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je pourrais faire 100%. Le monstre vicieux dont je parlais se trouve devant nous. Il est trop fort même pour nous. Mais si vous lui donnez cette baie à manger, vous aurez peut-être une chance. J'ai mis au point cette baie pour les monstres aussi forts que lui. Elle affaiblit considérablement leur corps. Ah ouais? Oh putain. Et bah tu sais quoi? Voilà. Je suis dégoûté. J'ai un canard. J'ai un canard quand même. Un connard. Alors. J'ai un connard. Il dit qu'il y avait beaucoup de choses avec 8 modes, franchement, avec 8 modes. Tu n'es pas un membre de la guide d'aventurier, je n'ai rien à te dire. Ok. On n'a jamais été ici. Attendez, on va juste faire un truc. Retournons en arrière. On va sauvegarder. Je suis un bâtard, franchement. J'ai tué le monstre en 2 secondes. Et oui. On va retourner voir Madeleine. Bien joué, allons-y. Alors, pénétrons dans les grottes d'Ogran. Ok. On va peut-être afficher des quêtes, hein, c'est jamais. Pas fait écouter là. Des petits vermisseaux là, des petits vers de terre. Grunchra Rabat. Je peux pas aller par là. Ok, je peux pas aller. Très bien. Pour l'instant, je peux pas aller par ici. Ok. Donc là, bon, ça m'empêche d'aller là ici, de découvrir de nouveaux endroits. Ok. Du coup, on va plutôt aller vers la côte gauche. Où là, on a été et qu'on n'a pas pu aller. En attendant. Est-ce que là on peut bouger? Je pense que oui. Il y a un coffre, mais comment aller? Là-haut? Encore un autre? Bois. Là, donc là c'est vers le bois fjord. Pénétrer dans les grottes. Ok. T'as aucune chance. Hop. Le bâtard que je suis. Le méchant que je suis. Donc là, c'est vers les bois fjords. On va quand même un peu. Dieu prie les héros de Léonard. Ouais.
Salutations à votre île de Valandis. Ma voix puisse-t-elle résonner dans votre cœur, vous accorderez le pouvoir des temps passés. Prouve que vous êtes indigne et vous recevrez mon don. De compétences obtenues. On n'a pas le temps. On va faire que de la découverte aujourd'hui. Découverte, quête secondaire. Brave guerrier, vous avez relevé le défi et vous êtes très digne. Tu crois avec 8 modes accepter l'emblème offert par Francfort, le mage guerrier. Maintenant, partez, brave guerrier, aventureux courageux. Vous êtes la vraie. Ok. Donc voilà, c'est bon. On fait vite. Tac. Que des gros monstres ici, hein, franchement. Hop, un coffre. Et là, il y a un truc de téléportation. Non, on n'a pas accès. Tiens, tiens. Ah, on peut descendre par là. Hop. Mais pourquoi faire un endroit comme ça et on peut aller nulle part. Ok. Très bien. On peut descendre, mais on peut aller nulle part. Ok, très bien. On continue comme ça. Donc là on a été ici au fond. Que des petites bricoles aujourd'hui les amis. Que des petites bricoles. Hop. On va sauter par là, ici. On va essayer de se battre. Alors, on va quand même se battre, mais qu'un brave instant. Hop, au revoir. Voilà. Hop, ensuite, là. Ok, donc ça ramène ici. Et donc... On dirait qu'on peut insérer un objet ici. Des choses à faire, mais on n'a pas le, on n'a pas ce qu'il faut. Ok. On part insérer des objets et ben on peut rien faire du tout. Mais on n'a pas les objets adéquats. Du coup, bon, on peut pas le faire. Du coup, c'est parti. On fait des petites. Alors les quêtes, hein, je répète que les quêtes jaunes, c'est les quêtes principales et les quêtes bleues, c'est les quêtes secondaires. Et donc voilà. Du coup, on va aller de l'autre côté. C'est là, on va un peu bah, découvert, hein, découvert les grottes. On continue, hein, mais on... Oula. Il y en a deux. Là, il y a un coffre. Il faut faire tout le tour. Faire tout le tour. Oh, il y a plein de cristaux là. Ok, bon, on continue tout droit. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Tu fais une vidéo bonus? Oui, j'ai une vidéo bonus, Meryl. Ouais. Faut que j'avance dans l'histoire, en fait. Parce qu'en fait, à la fin du live, eh ben, j'étais un peu perdu. Je savais pas quoi faire. J'ai tourné un peu dans le jeu. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un live bonus pour dédommager le cas. Et du coup, on va faire des quêtes secondaires, peut-être des quêtes principales. Ouais, on va faire tout ce qu'il faut. Et bien, pour bien avancer dans le jeu, quand même. Peut-être limite le finir, mais pas aujourd'hui, je pense pas. Alors, les grottes, donc c'est... Tout simplement. Bien joué, allons-y. Alors. Donc on va aller là-haut. Découvrir des nouvelles choses. C'est parti. Hop, on avance. Là, on a été, mais on peut pas aller pour l'instant parce que c'est interdit. Tiens, des portes. C'est peut-être les portes de Tissan.
Attention, il y a peut-être des énigmes à faire. Qui aurait cru que des ruines gisaient si profondément dans Orgrane? Oui, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui est écrit ici? Pas les dieux, je le savais. Tissa ne m'a pas sombré par hasard. Ces ruines, ce sont la preuve. Elles servent d'entrée pour accéder au fond du cratère. Mais elles ont été construites avant la disparition de Tissa. Les bâtisseurs savaient donc exactement ce qui allait arriver à Tissa. Est-ce que ça veut dire que le travail est terminé? Ce n'est pas encore à Tissa Nigod. On n'est pas encore à Tissa Nigod. Nigod. Attends une seconde, est-ce que c'est un interrupteur caché? Et donc il y aura des énigmes comme le stream précédent. La porte a été ouverte. Il y a trois autres portes. Si on en prend l'inscription, ici les interrupteurs sont éparpillés dans tout le Larnvis. Tu crois que sur nous pour tous les trouver? Bien sûr, l'argent n'est pas un problème. Est-ce que je vais vraiment me répéter? D'après le texte, il y a un interrupteur à Rotan, dans Boisfjord et à Perpetua. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène? Est-ce qu'on doit se donner tout ce mal? On voyage déjà beaucoup, alors autant garder un œil sur ces interrupteurs. Merveilleux, dans ce cas, je vais attendre ici. Tu veux attendre ici? Je pense que Glenn voulait dire que nous allons chercher les interrupteurs pendant notre temps libre. Cela pourrait prendre des semaines ou des mois, et peut-être même qu'on ne peut pas les trouver. Pas de problème, j'ai l'habitude d'attendre. C'est une des vertus de tout bon scientifique. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. D'une certaine manière, j'ai de la peine pour elle. Peut-être que nous devons chercher activement en fin de compte. Alors, trouver tous les leviers pour ouvrir le passage. Ok. Alors, d'accord, donc la quête a été mise à jour, très bien. On va sauvegarder. Hop. Alors, ensuite. Alors, trouver tous les leviers pour ouvrir le passage, donc. Donc, ok, là on n'a pas encore été, c'est parti. On va commencer par là, et là il n'y a rien. En descendant par là, mais je suis pas sûr. Bon, bah, peut-être que. Tac, tac, tac. Alors, retourne en arrière. Ok, j'ai trouvé 10 objets sur 10. Il y a un coffre, donc on a été. Okay. Donc là, il paraît qu'il y a un interrupteur là, ici. Trouver tous les leviers pour ouvrir le passage. Donc il y a un levier là. C'est parti. Ça fait loin, mais bon, c'est pas grave. Il est par là, en bas. Hop, un petit coffre, ça fait du bien. Un petit plaisir. Et comme ça, je vais bien dormir ce soir, si je fais un live ce soir. Hop. Là, il y a un passage derrière. Hein. Mais comment aller ici? Mais comment aller là? Attendez.
peut-être en allant. Ah non, je peux pas aller par là. Y'a un problème là. Je peux pas aller par là. Y'a vraiment un souci là. Peut-être en allant de l'autre côté. Il y a un passage, mais peut-être que ça rejoint peut-être. Vas-y, c'est un mur céleste, hein, c'est dommage ici. Là, peut-être là. Non, il y a un peu pas là. Et peut-être que. Alors, au cas où, je regardais à le levier à quoi il ressemble. Ah, il y a un pas. Ah, j'ai vu un truc. Pam! Ok, donc ça c'est fait. Là, il y a un autre passage par ici. Mais j'ai déjà été hein, ici. J'ai déjà été, mais juste regarder encore. Ah oui, oula, oulalalala. Obtenir une récompense. Okay. Ouais. Faut au moins aller ici, là. Et là, il y a un coffre. Il y a un coffre ici. Peut-être qu'en faisant le tour, ouais, il y a peut-être des chances. Un petit endroit ici, y a rien à faire. Sérieux? Sérieux? Putain. Bon bah attends. Ah, attends, j'ai vu un truc là. Je sais pas si on peut aller vers les grands. Ah c'est là on peut aller. Mais y a rien. Y a rien. Moi je joue à Platin. Ouais. Oh, c'est cool. Moi j'essaie d'avancer un peu dans l'histoire. Mais un sous-site. Un sous-site. Je vais essayer d'aller par là. Attends. On va prendre une téléportation pour aller plus vite. Prendre une téléportation parce que je n'aime pas faire des allers-retours pour rien. Hop. Alors, grotte, grotte. Bah, les grottes d'Organet, c'est un nouveau lieu. Hein, donc voilà. Hop, voilà ici. Nickel. Donc moi je suis là. Et là ça rejoint au bois flore. Mais oui, mais là. Et moi il faut que je retourne. Hop. Bah, que je peux aller là, ouais. Ah non, pas là. Il y a un problème là. Attends, j'ai trouvé. Peut-être en faisant tout le tour. En montant par là. Et peut-être en. Non, même pas.
qu'on fait tout le tour. On va voir ça tout de suite. Si je vais directement par là. Est-ce que ça fait grand. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Bois fleur peut-être. Peut-être que si on fait le raccourci bois fleur, tout ça. Oula, il y a un monstre. Hop, j'ai pas le temps, monsieur. Ah ouais. Bon. Ok. Donc en fait, toutes les pierres, tous les levées, ils sont là. Problème, c'est que là, je peux pas aller. Là, je peux pas aller, et là, je peux pas aller. Ok. Alors, attends. On va faire un truc. Bois fjord. On va aller au bois fjord. Trouver tous les leviers. Ouais. Ouais, ok, on va aller là. Ok. On va sauvegarder. J'ai encore de l'espoir, les amis. Voilà, alors on va aller là. Donc, attendez. On va faire comme ça. Pas grave, s'il y a des monstres, on les tue d'un seul coup. C'est pas le souci. Ok, il repop. Très bien. Là, en fait, les cristaux ils réapparaissent aussi. Alors. D'accord. On va descendre par là. Premier levier est ici. Il faut juste que je descende, quoi. Tout simplement. Il faut juste que je descende. C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas d'escalier là. Les petits escaliers. Oh. Faut que je trouve des escaliers. Bon, les créatures de base, on va faire plus tard. Regardez ce que fait Spark, ça j'ai fait en 9. Trouve tous les leviers. Avec Umoch, je peux plus me concentrer sur les quêtes secondaires, faire le jeu à 100%, peut-être faire le jeu à 100%, peut-être faire toutes les quêtes, tout ça. Comme fait une certaine streameuse, hein. Et oui. Du coup, voilà, le premier levé, je crois qu'il est... Non. On s'en fout un peu des monstres. Et bah, bon plat-up, hein, Meryl. Donc, le premier levé, je crois qu'il est là. C'est ça? Ici? Mais non, pourquoi tu sors de là? Le premier levier, je crois qu'il est... Non, attends. Ah, bah non, ça me rejoint directement dans les grottes. Et le premier levé, il est là. On entend un gros bruit au loin. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller atteindre d'ici. Ok, donc premier levier accompli. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc... Tour. Et donc... On va aller... Tour. Alors, attendez... Champ de perpétuel, hop. Tranchée de Léviathan. Ouais, mais là,
Ça nous oblige à aller. Tu as là, ouais, sauvegarder. Il y a 3 leviers à faire en tout. On va les faire. Été ici. Si on a déjà été. Bon, là il y a un truc, mais là, on n'a pas accès ici. Aïe aïe aïe. Voyons voir. Truc là. Voilà ici. Bon, on aura tout fait. Non! Putain, à chaque fois je trompe de bouton. Crotte. Alors, le levier il est pas loin. Il est pas très loin. Oh putain. Le levier il est là-haut. Ah super, il y a un truc qui descend là. Ah bah super, ça me... Mais non. Oh, putain, là, le désastre. Le désastre. Et moi, il faut vraiment que je trouve comment aller là. Oh, attendez. Attendez, il y a un truc. Ouais, c'est 5 heures et moins de 15 secondes. Château de Tormund. Bois fior, bois fior, bois fior. Alors attendez. On est par là pour voir. Faut trouver un, hein, mais évidemment, on va pas se laisser faire. Céleste. Par là. Attendez. Qu'est-ce que je fais? Ah. C'est tellement grand des fois les surfaces que je sais pas par où aller. Ce sont des sacrées traces de monstres. C'est ce qui laisse ce monstre est déchaîné. Comme si on n'avait pas assez de problèmes avec les gobelins, les habitants qui disparaissent subitement et ces situations politiques. Bah, n'a pas pu faire ça, regardez cette empreinte de patte. Tac.
Ah, ok. Donc c'était ça. En fait, tous les codes me rappellent. Ok. Il y a un coffre. Ok, on y va. Il y a des grottes là. Oh, tant pis, on va aller dans les grottes, hein. Y a que ça à faire. À mon avis, est-ce qu'on peut, on peut pas utiliser nos, nos armures CS ici? Je suis dégoûté, les amis. Je suis dégoûté. Si seulement on pouvait utiliser nos armures CS ici, mais on peut pas. Est-ce qu'il y a différents endroits? On ne sait pas trop. Je pense que, je pense qu'on peut utiliser. Oh, attendez. Un endroit, un gros bruit, au loin, ça serait qu'on puisse l'attendre ici. Ok. Et donc là, on a fait le deuxième levier, très bien. Sans chercher, j'ai trouvé, ok. Et donc... Ah bah. Ah bah super. C'est l'endroit où je voulais aller et c'est cool. Simplement, c'est cool. Voilà. L'endroit où je voulais aller. Depuis le début. Il fallait que je trouve un moyen de rentrer là. Bon. Et ben voilà, nickel. Il ne nous reste plus que le dernier. Nickel chrome, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah, je pense que les descendre pop. On va monter là. Alors, ensuite. Donc, ici, on a fait. Et non, oh putain. Ok, ensuite. Grotte. Ah. Ok, voilà. Ouais, ça est tout au bout là-haut. Au bout, mais bon. Ok, est-ce que ça me un passage? Oui, ça nous a ouvert. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ça nous a ouvert deux portes. Alors. Bon, d'accord, je vais des interrupteurs à Rouen, Perpetua et Boisfior. D'interrupteurs à Rouen. Rouen, Perpetua. C'est fait. Rouen. Perpetua. Ah bah voilà. Nickel. Salut les amis. Hop, on va se mettre là. Allez. Super les armures célestes, hein. Moi, je vous dis, les armures célestes, ça facilite la vie. Mais non, à chaque fois, il ressort. C'est chiant, ça. Ok. Donc là, il y a un levier. Un endroit, un gros bruit, et au loin, ça se donnerait qu'on puisse l'atteindre d'ici.
Nickel, nickel. Alors, on va essayer de... Et ben, de découvrir, découverte, petite découverte. Ça nous oblige à utiliser les armures célestes. Hop, allez, descend. Ah, ça, un peu de l'équipe sur ce fungus. Alors, nickel. Oh, punaise. Là. On peut pas aller par là. Le fungus, donc voilà. Donc bois fleur. Hop là. Donc, je pense qu'on a tout fait. Il n'y a pas grand chose ici. À part les œufs là, les liquides. Ok. Donc là, c'est fait. Ensuite, Perpetua. C'est déjà fait ça. Ici on a déjà fait. Alors, ensuite. Bois flore. On a déjà fait ici. Et. Ici c'est fait. Ok. Donc je pense qu'on peut retourner dans les grottes. Voilà. Et bah je pense que nous aurons fait cette quête. Hein, je pense. Il n'y a plus de grandes portes à ouvrir. À ouvrir, on a tout fait. Alors, une, deux, trois, quatre. Ok. On prend l'ascenseur pour descendre. Oui. Où ça nous emmène? Quelle vue incroyable! Je ne trouve pas les mots. La ville a vraiment sombré dans un bloc, les bâtiments sont tous debout de moi pour la plupart. Là-haut, les windmers volant comme une nuée d'oiseaux. Si on ajoutait à cela le brouillard, pas étonnant qu'on ne puisse pas atteindre Tisan par le cratère. Et quelque part en bas, il y a Amstaniel, j'ai tellement hâte de le voir. Est-ce que ces vrais rois sont si intéressants que ça? Qu'est-ce que tu racontes, petit Nigo? Bien sûr qu'ils le sont. Ce sont les créatures les plus robustes et les plus puissantes de toute Eldrea. Elles peuvent détruire des villes entières en quelques secondes, et elles sont toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Il existe une montagne à Vasti qui était célèbre pour ses deux grottes venteuses, mais vents violents s'y égouffrent et se ressortent. Aucun explorateur ne pouvait entrer dans les grottes et en sortir vivant. Soit le vent entraînait les explorateurs au fond des grottes, soit il les projetait hors de la montagne. Ce n'est que ces 100 ans plus tard que les géologues ont découvert que la montagne n'en était pas une du tout. Une fois qu'ils ont rasé toute sa végétation, sa véritable apparence était clairement visible de loin. Il s'agit en fait d'un vrai roi. Le singe Medior Ardo. Premier vrai roi. Okay. Les grottes n'étaient rien d'autre que ses narines. Comme il méditait depuis des millénaires, il ne faisait plus qu'avec l'environnement. Fascinant, n'est-ce pas? Il est grand, hein? Le deuxième vrai roi est un sanglier qui se déplace dans le monde en ligne presque droite, creusant un énorme fossé à travers la terre. Rien ne peut l'arrêter, même les montagnes ne lui font pas obstacle. Il se fait simplement un chemin à travers. Les gens utilisent des chemins qui creusent dans des tunnels. Des villages entiers doivent être évacués quand le sanglier s'approche trop près. Ses tranchées sont visibles même depuis les hauteurs du ciel. Le sanglier Grandolor. Anastaniel qui vit ici est le troisième roi. Quand il vit reculant, on ne sait pas grand chose de lui. Le dragon.
On en sait encore moins sur le quatrième roi, mais une fois par siècle, un événement incroyable se produit, une voix résonne à travers Eldria, elle parle plusieurs minutes dans une langue inconnue. On dirait la voix d'un perroquet qui répète quelques mots. Au vu de cette formidable capacité, cette créature a été classée comme un vrai roi. Oui, nul ne sait à quoi elle ressemble, ni d'où vient sa voix. Alors, le perroquet, donc le C3, hein, évidemment. Et je n'ai pas besoin de vous présenter le prochain vrai roi. Tout le monde le voit en levant les yeux au ciel. La nuit, l'arrière de sa tête brille sous toute la terre. Notre deuxième lune. La chouette Luna Orbetras. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Les aéronefs, elles ne peuvent pas voler au-delà d'une certaine altitude. Ce n'est pas parce qu'ils sont techniquement limités, mais parce que sinon, ils empiètent sur le territoire de Luna. Elle est très rapide quand il s'agit de s'occuper des intrus. Ensuite, personne n'a jamais vu le corps du prochain vrai roi, mais son œuvre nous afflue tous. Il crée un flux et un reflux grâce au respirant. Quand il utilise ses tentacules, il génère des vagues géantes. Le Kraken ou Willy World. Et le dernier du genre est assez spécial. Ce n'est pas une entité unique, elle est composée de milliers d'individus. Elle est rapide et inarrêtable. Elle contamine des villes entières en quelques heures. La colonie des rats. Bon, assez radoté, on y est. On va sauvegarder. Académie de magie du... What? Académie de magie? Ne me dis pas que c'est la fin du jeu, là. Qu'est-ce qui va pas? Ce ne sont pas bon, le portail est verrouillé et on dirait qu'on ne peut pas l'ouvrir en résolvant un problème de maths assez compliqué. Oh non, des maths. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais devoir le résoudre, mais ça va prendre des jours, je suis un peu embêté. Qu'est-ce que tu as encore besoin de notre aide? Hein? De l'aide? Non, tu me déranges, laissez-moi tranquille, voici ton paiement, maintenant va-t'en. Tu es sûr de vouloir rester ici? Est-ce que tu as? Je n'aime pas me répéter, va-t'en d'ici, je peux me débrouiller tout seul. Quelque chose me dit qu'elle pourrait vraiment y arriver. Des maths. Quête secondaire, les portes de Nissa. Terminé. Donc voilà. Terminé la quête, les portes de Tissa. Quête terminée. Est-ce que... Ah bah voilà, c'est mieux. Eh, ça y est, les amis. Moi qui a cru... Eh, Meryl. Tu sais, le stream précédent, j'ai vraiment tourné en rond pour la quête là. La quête en jaune là. Et en fin de compte, il fallait aller ici. Ok. Alors, pourquoi la formule est-elle si compliquée? Grrr. Bon, bah l'Académie Nagy, je crois que c'est la fin du jeu, mais on va pas y aller maintenant. On va sauvegarder. Hop. Alors. Tac. Oui. Ok. Nickel Chrome. Donc là, qu'est-ce qui nous emmène ici? La porte a l'air d'être fermée de l'autre côté. Aïe, 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 caramba. Bon, on va faire une nouvelle quête secondaire, les amis, vu qu'on a fini la première grande quête, on va dire. Non, mais jamais... Alors ici, ça rejoint, d'accord. Là, hop. Un petit asticot qui... Ok, et là, ça rejoint... Ah, il y a un coffre. Hop, nickel. Alors, on va faire quand même. Je pense qu'on va faire... Trouver les créatures mystérieuses dans Basile. Donc c'est parti. On va aller dedans. Hop. Hop. Alors. Et donc je crois que j'ai vu un monstre là-haut. J'avais vu un monstre avant de quitter là tout à l'heure, en allant manger tout à l'heure. Et bien j'ai vu un monstre violet ou un monstre rose, je sais plus trop c'est où. Et où est-ce qu'il est? On va prendre les armures, hop, les armures volantes, tranquillement.
Où est-ce qu'il est? Le voilà. Du savoir. Il y a un truc ici. Hop, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc voilà. Et donc, on va aller directement à Basil. À Basil pour le monstre, les petits monstres. Et je pense qu'il faut. Ah, il y a un coffre là. Je suis dans Basil. Donc il faut trouver des griffes, hein, évidemment. Petite griffe. À mon avis, il faut trouver les griffes des ennemis, des petits monstres. Et donc. Trouver un griffe, une griffe. Là. À mon avis, il faut suivre les griffes, non? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. On va suivre les griffes. Une brochette. Oh putain. Petit monstre. Chachiki. Brochette de monstre. Bam bam bam. Retournez voir le client. Alors, c'est où? Je
Non, c'est pas là. Retournez voir le client. Et où le client? What? Allô? Le client, mais où le client? What? J'aurai le client plus tard. Je sais pas où il peut bien être. Peut-être quelque part en ville, mais où? Pas du tout. Je sais pas où il est. Où est ce fameux client que je sais pas du tout où il est? C'est lui peut-être? Pas lui. Bon, c'est pas grave. On va chercher Bark. Berk. Enfin. Bark, il s'appelle. Witchmere, c'est pas ça. Vas-y, est quelque part par là. Bark est quelque part par là. Okay. Est-ce que vous tout va bien? Je ne trouve bien pas ma petite. Ce n'est rien. Tu es sûr? Je suis juste un peu inquiet. Beaucoup de gens sont venus et papa m'a dit d'attendre dehors. Oh, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Je sais pas, c'est à propos du gobelin et d'énormes monstres. Dis la vérité, on t'a vu dépasser les corps en plus. Vous avez perdu la tête? Les gens de Basile le considèrent déjà comme un étranger, mais maintenant ils s'accusent d'avoir un rapport avec le monstre. Ah, c'est vous les gars, ces gens sont complètement à côté de leurs souliers. Ils pensent que je suis de mèche avec un monstre, celui-ci même qui a failli tuer ma fille Marcia. Écoute-moi bien, à l'époque, les soldats tariniens qui avaient fui le banquet de Fansport avaient pris ma fille en otage pour que je leur donne des laissez-passer pour la frontière. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, le monstre leur avait tout massacré dans ma maison. Il a failli tuer Marcia aussi. Calme-toi, Jane, mais attends à ta place. Et qu'est-ce qui se passe en dehors? Marcia? Regardez, les gobelins attaquent. Marcia. Ah, attends. Oh, Dragronir. Mince. Il est mort. Est-ce que c'était Bark? Odieuse bestiole. Est-ce que tout va bien, Marcia? Oui, les gobelins, ils sont arrivés tout à coup, tout s'est passé si vite.
Ils sont vivants, mais ils sont gravement blessés. On ne peut pas rien faire contre cette vermine. Ils ravagent notre village et c'est sans doute à cause d'eux que plusieurs villageois ont disparu aussi. Je remettrai ma main à couper. On pourrait essayer d'avoir une autre discussion avec le doyen des gobelins, mais la dernière fois, ça n'a pas servi à grand chose. Un autre gobelin qui s'est parlé, comme c'est étonnant. Je ne remets plus les pieds dans ce village. Vous faites partie d'un clan, non? Peut-être que vous pourriez jouer les médiateurs dans cette crise. Eh bien, il nous semble que cela fait assez parler de nos responsabilités en tant que clan. Absolument, donnez leur coup de main, Glenn. Génial. Vous trouverez leur village en passant par les grottes d'Agram. Ok, c'est ce qu'on a vu tantôt. On a dit qu'il laisse entrer ceux qui portent ces emblèmes, prenez-le. Jean, pensons à ta fille, elle a plus que toi. Allons-y. Nickel, retournez voir le client. Trouvez le village des gobelins et parlez au chef. Alors, passons le gars. Hop, tac. Le village des gobelins se trouve là-haut. Ok. Nickel. Les gobelins. Rock Labor. God, God Black Mogo Donuk. Des humains, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi vos têtes sont-elles encore sur vos corps? On est venu au nom du village de Basile. Tu nous as suivis? Je ne peux pas rester les bras croisés. Au doigt, et je vous en prie, arrêtez d'attaquer notre village. Ah, imbécile, pourquoi est-ce que vous épargnerez-vous les humains? Vous ne faites pas de quartier avec nous non plus. Vous massacrez tous les gobelins que vous croisez sans sourciller. Même ton épée est imprégnée de leur sang. Je ne le sens du sang de gobelin. Il doit y avoir un moyen de conclure un accord, non? Nous, allez-vous-en! Si vous ne partez pas immédiatement, je tâche tout mon village sur vous. C'est la seule promesse que je peux vous faire. Bon, très bien. Mince, il n'y a pas de solution pacifique à ce conflit. Am, Grandra, Fiel, Prangrin. Bark, c'est toi, tu ne peux plus parler. En tant que fringue. Il a l'air très contrarié. Rang, Orang, la fille, ta fille. Quoi? Ma fille en danger? Ah, Marcia? Attrapez-le! Alors, redirige-toi vers la maison de Jan. C'est où ça? Tac, tac, tac. La maison de Ok, c'est bien parce qu'il y a des petites écritures pour aider à faire dans la mission. Alors, maison de Jeanne, c'est où? Je vais déporter par là. Mon Maria, oh pas pitié, non. Yeah. Ils n'ont aucun pitié, même pour les enfants. Attention. T'as le choix, attention, soit le mettre au tapis, soit l'achever, quoi. J'ai mis le mettre au tapis, c'est pas vrai. C'est juste ses vêtements, est-ce que ça veut dire qu'elle est toujours en vie?
Où est Marcia? Wahaha, comme c'est dramatique, donne-nous ce gobelin, ils nous appartiennent. Pourquoi le ferons-nous? Où est ma fille? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Ah, ah, Fia. Proc, dangereuse. Filia, dangereuse. Ma fille est dangereuse? Bark a raison. Ta fille est devenue bien trop dangereuse. Regarde, elle est juste devant toi et elle veut le tuer. Quoi? Idiote d'humain. Oui, on a fait disparaître des villageois. Mais on ne se contrôle pas, on ne contrôle pas de les kidnapper, on les transforme en gobelins. La fille est aussi devant l'un des nôtres. C'est pour ça que Bark et les autres ont essayé de la récupérer plus tôt. Non, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de blessés à ses côtés, non? Les soldats tariniens, les villageois. Eh bien, la transformation prend plusieurs semaines. Les gens alternent entre les deux formes. Pendant cette période, il peut arriver qu'ils acquièrent les pouvoirs d'un ogre. Ce sont eux, les bêtes qui ravagent ton village. Ce sont les humains qui se transforment en gobelins. Wahaha. J'ai vu des choses sur cette transformation. Je pensais que les gobelins étaient incapables d'une telle magie. En effet, vous pensez que les gobelins sont stupides, nous mépriser. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'il n'y aura jamais de paix. Maintenant, donne-nous le gobelin, c'est l'un des nôtres. Hors de question. Alors, ce sera par la force. Gras, vous avez gagné aujourd'hui, mais on reviendra. Nous allons chercher notre Dieu et avec sa bénédiction, nous aurons une chance. Viens, Bark, allons dans notre sanctuaire dans les mines de Wingrand. Marcia, oh Marcia, quelle tragédie. Alors comme ça, tous ces gobelins étaient autrefois des humains. Vous ne devriez pas parler de tout ça à personne, sinon Marcia se fera tuer en un rien de temps. Je vais me cacher avec elle, elle ne fera de mal à personne. Mais à quoi bon? On dirait qu'elle ne peut même plus reprendre sa forme humaine. Je trouverai un moyen d'une manière ou d'une autre, je réussirai à la faire retourner humaine, s'il vous plaît. Promettez-moi de ne s'en parler à personne, au moins jusqu'à ce qu'on ait trouvé un remède. On va attendre au moins quelques jours, peut-être que sa condition va évoluer. Nous n'attendrons pas plus longtemps que ça, les villageois doivent savoir que pour chaque gobelin mort, c'est un humain qui l'enterre. Merci, merci infiniment. Il y a une grotte derrière ma maison. C'est là qu'on va se cacher, Marcel Lumière, humain, je le sais.
C'est sans espoir, si vous voulez mon avis. Heureusement, personne n'a rien demandé. Ne te méprends pas. Moi aussi, j'aimerais qu'elle redevienne humaine. Mais comment est-ce possible? Eh bien, on ne se le sera peut-être jamais. Et voilà, les amis, quête terminée. Yes. Alors, il reste résoudre la quête dans le maestro. Alors, attendez. Crotte. Retourne voir le client. Donc là, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Ah ouais, il est là. On aura fini deux quêtes là, deux quêtes secondaires. Nickel. Ouais, plus en haut. Petite vacances, donc quête secondaire terminée. Ensuite, va voir la ferme. C'est ouf. What? Idelermite, Fensport, Tourmoul. Attendez, il y a un truc qui va pas. Donc là, ok. Donc. C'est pas là. Voilà. Voilà. C'est parti. La guerre est toujours la priorité absolue partout dans le monde. Je veux dire, quelle avancement pensez-vous que Tormund a trouvé en premier lieu? Le parapluie commun ou une armure céleste? Bizarrement, l'armure céleste est arrivée avant le parapluie. Difficile à croire, n'est-ce pas? Où est-ce que c'est? Ça peut-être. Ce boulot l'offre de belles récompenses. Si tu peux voir une porte blanche dans ton esprit, alors viens me chercher. Magnolia, la radieuse diva de l'équilibre. Une porte blanche. Je ne pense pas qu'on soit d'une grande aide cette fois-ci. À vrai dire, je peux avoir cette porte. De quoi parles-tu? Je ne sais pas vraiment comment, mais elle apparaît dans mon esprit de temps en temps. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu nous en avais jamais parlé? C'est ton son important jusqu'à aujourd'hui. Si tu vois la porte, on devrait rendre visite à cette Magnolia. Mais j'aimerais en savoir plus. Dirigeons-nous vers Vensport. Alors, quête secondaire dans le Ah bah voilà, c'est ça, nickel. Dans le Maelstrom. Eh bien les amis,
Je pense qu'on continuera demain. C'était juste pour voir, eh bien, pour me débloquer un peu. Donc voilà. Donc alors, on va voir. Non, ok. Tac, tac, tac. Fin sport. Ok, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, faire des quêtes secondaires, des quêtes, ça change un peu. Et en plus, l'effet que ça soit marqué par le client, par le dessus, le logo, bah, c'est cool. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. J'aime bien quand les jeux, c'est bien, ça se passe bien, tout simplement. Les amis, passez une excellente soirée. Donc, on se donne rendez-vous demain à 15h. Hein. C'était un tout petit épisode, hein, l'épisode 8, bien évidemment. C'était un tout petit épisode bonus. Et oui. Sur ce, portez-vous bien. Passez une très bonne nuit, très bonne fin de semaine, très bonne fin de semaine. Et oui. Et on se dit à demain pour une nouvelle semaine à 15h sur Twitch. Portez-vous bien. Et les replays dès 14h et 15h sur YouTube. Kevin, puis de la tour en majuscule. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée à tous. On fera la suite demain dès 15h. Touche tout le monde et merci à tous d'avoir été là.